Nathalie, Julie tandem tous les deux. Ouais, on s'entend bien, je pense. C'est une équipe de filles et c'est une jument assez autoritaire. Faut pas trop l'embêter et ça se passe bien comme ça. Alors, question piège, est-ce que c'est toi qui rends la course facile ou est-ce que c'est elle qui te la rend facile? Non, c'est elle. Je pense qu'elle a beaucoup de facilité et elle sait démarrer, elle sait accélérer pour finir. Elle est vraiment pratique. Une fois qu'elle est partie, elle se faufilerait dans un trou de souris. Donc, c'est elle qui rend la tâche facile. À quel moment t'as cru la victoire entrée de ligne droite? Tu sentais que t'avais la mesure d'Airport? Ouais, bah, j'avais un petit peu peur qu'il n'avait pas débouché, donc je me suis dit peut-être qu'il va repartir, mais il est resté un petit peu là quand il a débouché et puis elle est venue franchement à sa hauteur et quand elle domine, elle aime ça. On est dans les temps pour le groupe 1. Oui, tout s'enchaîne bien. Maintenant, on croise les doigts pour que la jument reste bien, qu'il lui arrive rien d'ici la belle. Mais c'est vrai qu'on part avec une bonne chance, malgré qu'il faut quand même courir battu. Pierrot, Airport, des bonnes sensations? Ouais, super. Un petit peu de mal à sortir des cordeaux. J'ai pas voulu prendre trop de risques. Je le découvrais, donc c'était une bonne mise en place. Voilà quoi, après j'ai pas eu un parcours idéal pour lui, on voulait courir un petit peu caché et je me suis retrouvé en épaisseur, j'ai pas pu me reloger. Mais ensuite quand j'ai demandé d'avancer au kilomètre, il a fait un bon bout en montant et le tournant a été négocié assez facilement. Mais ligne droite, quand je lui ai débouché les oreilles, il a eu un petit temps de réaction, il est parti un petit peu à gauche, il m'a un petit peu embêté mais... Voilà quoi. C'est des petits détails qu'il va falloir faire attention pour la prochaine fois. La prochaine fois, c'est la belle. Pour toi, est-ce que ce soir, il t'a montré qu'il pouvait gagner la belle? Ah oui. Ah oui, je pense qu'on ne va pas être loin. C'est un dur. La longue distance, ça ne le dérange pas du tout, bien au contraire. Maintenant, on a vu qu'une jument, un ou deux, est en super forme aussi. Mais c'est une pisteuse. J'espère qu'elle n'aura pas des parcours aussi bons à chaque fois.